Bonjour à tous et bienvenue dans la session du jour. Comme d'habitude, pour commencer aujourd'hui, toujours un peu de mobilité. Donc on va commencer la session mobilité avec simplement des petits mouvements de bras circulaires comme ceci. Assez petits, on agrandit progressivement jusqu'à aller dans un des cercles maximum. Et ensuite, on va rétrécir progressivement pour retourner sur des petits cercles comme ceci. Et de nouveau, réagrandir progressivement pour revenir de nouveau plus petit. On va effectuer ceci 30 secondes vers l'avant et 30 secondes vers l'arrière. Pour continuer la mobilité, on va travailler un petit peu avec Gowon. Donc on va travailler au niveau des hanches et donc des abducteurs et un peu des muscles pectoraux. Donc on va commencer avec le reverse T opener au niveau des hanches. Donc une grande fente avant, on pose le pied au sol. On vient poser la main du côté de la jambe avant au sol et on va poser son coude droit dans ce cas-ci au sol, étendre la main le plus haut possible, après à la rotation. Voilà. Dans chaque rotation, vous allez sentir un étirement au niveau du muscle pectoral. À chaque fois que le coude vient au sol, le genou gauche dans ce cas-ci part vers l'extérieur. Donc, travailler au niveau de l'ouverture de la hanche. Donc, une minute de chaque côté. Deuxième exercice, le wide hip opener. Donc, dans ce cas-ci, de nouveau, même chose, une grande fente avant, le genou posé au sol. On va pivoter le pied avant sur la tranche extérieure. Venir poser, dans ce cas-ci, sa main droite au sol, bras tendu, l'autre main sur le genou et pousser son genou vers l'extérieur. Ça peut être dynamique, donc pousser et relâcher pour ne pas rester sur un étirement constant. Essayez de travailler, de sentir que ça s'ouvre au niveau de la hanche et ça s'étire au niveau de l'adducteur. Également, une minute de chaque côté. Si vous avez besoin de plus de mobilité, n'hésitez pas à aller sur l'application Gowon pour faire d'autres exercices ou également passer un coup de rouleau sur tout votre dos ainsi que les quadris et les ischio-jambiers au période de la piste. Voilà, on passe ensuite à la partie warm-up. Donc la partie warm-up, on va simplement faire 3 rounds de 30-20-10, single under, lunges et rush and swing. Alors, au niveau des single under, on va simplement travailler ça relax, histoire de monter un peu en cardio et juste de rouler un peu au niveau des épaules, simplement. Et ça va échauffer aussi un petit peu au niveau des mollets. Voilà. Ensuite, au niveau des lunges. Les lunges, on va simplement faire attention pour bien faire la rep, de faire une grande fente avant et de descendre la hanche vers le bas, le genou posé au sol, on reste toujours bien droit dans son tronc. On va repartir vers l'arrière, poussant sur le talon et revenir en position initiale. Erreur à ne pas faire, à savoir le grand pas vers l'avant et de partir vers l'avant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On surcharge le genou et le talon se lève et quand on va repartir vers l'arrière, on va devoir pousser sur la pointe de pied et donc ceci peut blesser votre genou. Voilà, ça. Donc je rappelle, une grande fente avant, on descend la hanche verticalement, on revient en poussant sur le talon en position initiale. Ça c'est pour les lunges. Ensuite, au niveau des rush and swing, vous aurez besoin soit d'un kettlebell, soit d'une dumbbell ou si vous avez d'autres objets évidemment, ça peut servir aussi. Voilà, donc, pied largeur de hanche, le genou doit être maintenu. On va simplement venir chercher l'objet entre ses jambes comme ceci, l'envoyer vers l'arrière, contraction des fessiers et des quadriceps pour swinguer l'objet jusqu'au niveau des yeux. Reste bien gainé pour ne pas creuser le dos une fois l'objet au niveau des yeux. Donc, 3 rounds, 30 single under, 20 lunges et 10 rush and swing. Pour les lunges, alternez à chaque fois, gauche et droite. 10 à gauche, 10 à droite. Voilà pour la partie warm-up. On passera ensuite à la partie workout. Alors, c'est assez long, donc je vais vous le lire. Donc, on part sur 20 reps de chaque exercice. Alors, les exercices sont des thrusters, donc 20 thrusters, 20 double under, 20 burpees, 20 air squats, 20 incline, 20 goblet squats, 20 push-up, 20 sit-up, 20 hang snatch,
Ensuite, on aura 3 minutes de rest. Et la deuxième partie du WOD sera le fait de remonter la liste dans l'autre sens. Donc, on repartira du bas jusqu'en haut, des hang snatch jusqu'au thruster. Toujours en respectant le même nombre de reps, à savoir 20 reps par exercice. Voilà pour le principe du WOD. Alors, au niveau des exercices, on va revoir un peu tous les exercices. Donc, l'idéal est d'avoir un kettle ou une dumbbell. Je pense assez lourd, donc l'idéal ce serait d'avoir 20 pour les mecs et 12,5, 15 pour les filles, ce serait pas mal. Alors, les thrusters, on peut tout faire avec une dumbbell. Donc, les thrusters, position de front rack, comme ceci, d'accord. Alors on va simplement garder la courbe lombaire maintenue, dans son squat, casser la parallèle, remonter en pressant dans les talons et presser en extension de hanche, jambes et bras au-dessus de la tête. On casse la parallèle et on presse dans un mouvement fluide et continu, en essayant de toujours bien verrouiller au-dessus de la tête et de toujours bien respirer. Donc, j'inspire, je bloque, je descends et je presse. Attention en restant, quand vous êtes en position d'extension complète, toujours bien rester gainé pour ne pas creuser le dos. Donc ça c'est pour les thrusters. On passe ensuite au double under. Les double under, donc double saut de corde. Simplement pensez à sauter bien verticalement en ouvrant les hanches. Gardez les mains au niveau des hanches légèrement en avant. Les pouces légèrement inclinés vers le bas. On essaie de bien rester fluide dans ses épaules pour ne pas les contracter trop fort, ne pas les crisper. On essaie de respirer correctement aussi, de récupérer un petit peu. 20 reps, ça va très vite. Alors, ensuite on est parti sur les burpees. Donc les burpees, ça, un grand classique évidemment. Pensez simplement poitrine au sol, cuisse au sol. D'accord ? Burpees. Et l'extension complète au niveau des hanches. Ensuite, on est sur les air squats. Grand classique aussi. Faites juste bien attention dans vos air squats, c'est de bien terminer les reps avec l'extension de hanche. Quand on accélère, souvent, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'extension de hanche. Donc, bien les genoux à l'extérieur, casse à parallèle et extension complète. Donc, ici, ça c'est nos reps. D'accord? Toujours casser la parallèle, extension de hanche complète. Et toujours bien penser à la qualité de votre mouvement. Donc, les genoux lombaires bien maintenus, les genoux bien à l'extérieur dans l'axe des orteils. On reste bien sur les talons, on pense à déchirer le sol et à rester un peu sur l'extérieur du pied. Ok, voilà. Ensuite, air squat, c'est fait. Hang clean. Le hang power clean dans ce cas-ci. Donc, la dumbbell ici, comme ceci, elle va passer donc les pieds largeur de squat. On va simplement swinger la dumbbell entre les jambes et la passer en position de front rack. Alors, on peut le faire en muscle clean comme ceci, ou on peut le faire aussi simplement en passant en dessous et de nouveau terminer la rep en extension complète des hanches et des jambes. Je swing, je clean et extension complète. Voilà pour le hang clean. Ensuite, goblet squat. Goblet squat, simplement, comme même principe que pour les air squats, sauf qu'on va rajouter la dumbbell, le kettle, peu importe, dans cette position, donc contre la poitrine, les coudes proches du corps. On va descendre dans son squat et remonter en extension complète. Simplement. Même principe que pour les air squats. Ensuite, les push-ups. Alors, pour les push-ups, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez le faire sur les genoux. Le principe est de se mettre en position de planche haute, les mains en dessous des épaules. Restez bien droit, bien gainé. On vient descendre, toucher poitrine au sol, poitrine et cuisse au sol. Et on remonte. Comme ceci. C'est important de rester bien gainé. Si ça ne va pas, évidemment, comme je l'ai dit, on peut faire sur les genoux, comme ceci, poitrine au sol, même principe, et cuisse au sol. Voilà pour les push-ups. Ensuite, sit-up. Aussi un grand classique. Simplement, asseyez-vous devant votre abmat. Voilà, les jambes, comme ceci, ici, en tailleur. On va, très important, venir toucher derrière. Remonter complètement, venir mettre les mains devant les pieds. L'important, c'est d'avoir les épaules qui passent les hanches. Donc, ici, on ne s'arrête pas, on doit aller jusque là. Donc, hop, voilà, une rep correcte. Voilà, une no rep. No rep. Rep.
sit-up, ensuite on est sur le hang snatch. Alors même chose, même principe que pour le hang clean, on va attraper sa dumbbell dans ce cas-ci. Ensuite on va simplement, toujours pied large dans le squat, garder un dos bien droit, le coude lombaire bien maintenu, garder les mains devant soi ici pour ne pas s'appuyer, on ne s'appuie pas avec sa main qui est libre sur la cuisse, on va swinger et snatcher comme ceci, en extension complète des hanches, des jambes et des bras avec un bras bien verrouillé et on sort la tête, on redescend, on swing, on snatch, ok, ça c'est un muscle snatch, on peut aussi passer en dessous et extension complète. Alors, au niveau des transitions, parce qu'évidemment il faut changer de bras, on ne va pas faire toutes les reps avec le même bras, mais qu'on pourrait puisqu'on va faire deux fois le tour. Maintenant au niveau des transitions, vous pouvez toujours, pour le hang clean et le hang snatch, simplement soit transition quand elle descend devant vous, ou soit, donc, ici je snatch, je vais transitionner comme ceci, et snatcher. Voilà, comme ceci. Même chose pour le clean. Là, hop, je change et je clean. Ok, je change et je termine ma rep. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour les transitions. Voilà, au niveau des mouvements. Donc rappelez-vous bien un peu ces standards à ce niveau-là. Faites bien attention à toujours garder une courbe lombaire correcte dans vos squats. Toujours bien casser la parallèle. Bien terminer vos mouvements en extension complète, que ce soit jambes, hanches, épaules bien verrouillées, bras bien étendus, et on sort toujours la tête, donc l'oreille doit sortir du bras, pas comme ceci, voilà. Pour les mouvements hang snatch et thruster, dans ce cas-ci, au niveau de l'extension. Voilà, c'est à peu près tout pour les exercices. Donc rappelez-vous bien, on part sur 20 reps de chaque exercice, on descend la liste, on prend 3 minutes de reste, et puis on remonte la liste jusqu'au-dessus. Voilà, c'est tout pour la session du jour. Je vous souhaite beaucoup d'amusement, courage, et à très bientôt. Voilà.